Alors, je vais commencer par toi, docteur. D'accord. Et après, on ira chez Jean-Baptiste. Mm-hmm. On a tendance à entendre coco, hémorroïde. Mm. D'accord ? Mm-hmm. C'est quoi exactement l'hémorroïde, le coco ? En français, pardon, simple, pour que tout le monde puisse se retrouver. Parce qu'il y a des gens qui vont coco, mais ils ne savent pas que c'est coco. D'accord. Alors, il faut dire, hein, ce qu'on appelle les hémorroïdes, généralement, ouais. c'est des formations vasculaires, c'est-à-dire c'est des petits vaisseaux sanguins, tout petits, okay. qui sont au niveau du canal anal de tout individu, dès la naissance. Mmh. Donc, on va dire les hémorroïdes, tout le monde en a. Okay. Et quand ces formations vasculaires-là ont des lésions, sont malades, on parle de maladie hémorroïdaire. D'accord. Donc l'hémorroïde, c'est tout simplement normal. C'est normal, c'est tout le monde en a. Une maladie liée à l'hémorroïde. Voilà. Donc maladie liée à l'hémorroïde, c'est ça, c'est le coco. Voilà. Okay. On dit généralement en termes médicaux maladie hémorroïdaire. D'accord. Et le terme que tout le monde connaît dans la rue, c'est généralement on parle de coco. D'accord. Mais on dit qu'il y en a à l'intérieur mm-hmm. et à l'extérieur. Mm-hmm. Donc celui qui est à l'extérieur, lui, il tombe pas malade puisque c'est celui qui a des dents qui sort. On a les hémorroïdes internes mm-hmm. qui sont à l'intérieur du canal anal et puis les hémorroïdes externes qui, elles, sont au pourtour de l'anus, donc au pourtour de la marge anale. Mm-hmm. Les hémorroïdes externes peuvent être malades, comme les hémorroïdes internes aussi peuvent être malades aussi. Mais qu'est-ce qui... Et généralement, ce qui sort quand on pousse, mm-hmm. la plupart du temps, c'est les hémorroïdes internes. Interne. Ah bon, hein. J'aurais dit le contraire, ah par ouais, contre. C'est... Ouais. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie? Qu'est-ce qui déclenche les hémorroïdes en général? Alors, on a plusieurs facteurs favorisants. Le premier facteur sous nos cieux ici, c'est l'alimentation et particulièrement la constipation. La constipation. Donc, quand on est constipé, on peut avoir facilement le coco. Oui, la constipation chronique, ce n'est pas une constipation occasionnelle. Voilà. La constipation chronique, parce que, en fait, les hémorroïdes dans le canal anal sont liées à la muqueuse anale par un ligament. Une corde. Ouais. Oui, si vous voulez. Mmh. Un ligament. Et ce ligament-là, à force de pousser lors de l'effort de défécation, ce ligament-là, au fur et à mesure, mmh. c'est un peu comme un élastique. C'est ça. Il perd son élasticité, mmh. donc il commence à relâcher. Et au fur et à mesure, les hémorroïdes vont descendre et puis s'extérioriser. D'accord. Alors moi, j'aimerais déjà, pour éclaircir les choses, l'hémorroïde, c'est à l'intérieur. Vous avez dit, ça existe chez tout le monde. Mmh. Et ça se déclenche quand on a la constipation chronique. Mmh. Mais aussi la diarrhée. Aussi la diarrhée, parce qu'il y a des diarrhées qui font battre le petit kiki. Moi, j'appellerais ça le petit kiki qui ressort quand on fait rentrer. C'est quoi le petit kiki? Ben, tu sais, l'anus, il sort, c'est un petit kiki, en fait. Ah, la chair, là, la qui sort, chair. Là, ok, d'accord. Mais je ne sais pas s'il y a un autre nom. Non, ça va, le petit kiki. Bon, nous, le on appelle kiki. Ça prolapsus anal, c'est-à-dire... Ah, c'est prolapsus anal, c'est gros. C'est gros, papa, t'as un kiki. Ouais. Voilà. Okay. Alors, moi, j'entends des gens dire, il y a coco dans les yeux. Oui. Parlez-nous un peu de ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, en fait, dans la tête du commun de tout le monde, généralement, on va vous dire le coco, ça sort dans les yeux. On dit aussi même que ça sort sous la peau, quand on a les gargouillements, etc. Médicalement, c'est pas prouvé. OK. D'accord. D'accord. Très bien. Okay. Est-ce que les personnes les plus... Les plus âgés sont plus enclines à avoir les hémorroïdes, puisque on va dire que c'est un relâchement au fur et à mesure. Donc en vieillissant, peut-être que c'est plus facile d'avoir. Oui, généralement, c'est les adultes. Pour la partie 3 à la selle. Généralement, les hémorroïdes, c'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente à l'âge adulte. D'accord. À l'âge adulte... Mais parce que c'est là que maintenant, l'anus est mis maintenant, à rude maintenant aussi, on a beaucoup de jeunes. Hein. En consultation, on reçoit beaucoup de jeunes. Ah oui, parce que c'est... Surtout les étudiants. Avec ça, hein. Le truc, c'est que c'est... Les étudiants. Puisque... Les étudiants. Il y a des pathologies, il y a des professions où on a beaucoup plus d'hémorroïdes. On va en parler. On va en parler. D'accord. Voilà. Oh là là. Tout à l'heure. Parce qu'effectivement, tout là où l'anus est soumis à rude épreuve, on a obligatoirement du coco. Rude épreuve... Après, c'est vague. Il y a beaucoup de rues. Il y en a qui mangent beaucoup de la check-in. Alors, Jean-Baptiste, oui. Vraiment, il en parle. Dis-moi, comment est-ce que toi, tu as su que tu avais coco? C'était quoi d'abord? Comment ça s'est passé? Bon, au début, quand je mange, ouais. je partais pas à la selle. Ah. OK. Voilà, je partais pas à la selle. Donc, je prenais des comprimés mm-hmm. pour pouvoir aller à la selle. Ah. Voilà, donc,
Un jour, il y avait mon grand frère qui était malade. Il était parti dans une clinique de la place. Clinique. Oui, je vois. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu le docteur. Mm-hmm. Il dit, ah, docteur, vraiment, je souffre. Mm-hmm. Je n'arrive pas à aller à la selle. Alors, si tu n'allais pas à la selle mm-hmm. Quotidiennement, ou bien c'était genre sur une période de 2 jours, 3 jours, ou bien ça faisait un... Quotidiennement. Long, 3 mois. Tous les jours, tu n'allais pas à la selle. Je mange, mais je ne vais pas à la selle. Ah, bon. Il fallait que tu fasses des lavements ou bien... Oui, je prends des comprimés. Tu prends des comprimés, en fait. Ah, les filles prennent pas ça, elles ne peuvent pas partir à la selle. Voilà, sinon je ne vais pas à la selle. OK. Mm-hmm. Donc, il dit, bon, on a fait les différents examens pour voir. Il m'a donné des médicaments, j'ai bu. On a fait des examens. Il dit, non, c'est le coucou qui fait ça. Ah. D'accord. Il dit, c'est le coucou qui fait ça. Il dit, bon, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, oh, on va te mettre sur traitement. Comme ce n'est pas encore avancé, on va te mettre sur traitement. Mm-hmm. On va te donner des différents médicaments que tu vas prendre. Donc, tout ça va passer. Là, il m'a donné les premiers médicaments, mm-hmm. c'est passé. Mm-hmm. Mais après, c'est revenu encore. Ah. La constipation. C'est revenu encore. D'accord. De ce parti, le voit. Il dit donc qu'il y a des examens qu'on doit faire. Des examens. Des examens qu'on doit faire. Donc, on a fait ces examens-là. Il dit donc que c'est le coucou là. Qui est revenu. Hémorroïde, qui est revenu. OK. Donc, c'est 3 jours, 4 jours de constipation. C'est ça que je veux savoir, en fait. Tu fais 3 jours sans aller à la selle ou 4 jours, ou bien... Tant que je ne prends pas de... Ça peut aller jusqu'à une semaine. Ça peut aller jusqu'à un mois. Année. Si, si. Je mange, je ne vais pas à la selle. Ah. Donc, s'il mange pendant 3 jours, imagine mm-hmm. comment c'est lourd dans son ventre. Oui, un peu long. Donc, c'est comme si c'était bouché complètement. Voilà, tout à fait. Et vous, dans votre quotidien, mm-hmm. comment ça se passait? Ouais. C'était comment? Bon, en fait, j'étais un peu gênée. Oui. Je ne me sentais pas... Ouais. Allez. Tu sentais qu'il y a quelque chose dans ton ventre? Oui, je sentais. Parce que quelqu'un qui mange et puis ne va pas à la selle, là. Ouais. Vous voyez ce que ça fait? C'est comme ta béri-béri. Tu es ballonné, peut-être? Oui, tout à fait. Mais moi, du coup, ça m'emmène à demander au docteur. Mmh. Il a dit qu'il a pris des médicaments et ça a soulagé. Mmh. Donc, ça aurait été quoi l'idéal après? Est-ce que ce sont ses habitudes alimentaires qu'il fallait complètement changer après le traitement ou bien qu'est-ce qu'il aurait dû faire? En fait, le traitement de la maladie hémorroïdaire, et généralement, on commence par le traitement médical. Et le traitement médical, non seulement il y a... Ça commence par les règles hygiéno-diététiques. Donc, comme vous l'avez dit, changer les habitudes alimentaires. Manger plus de fibres. Manger plus de fibres. Faire en sorte de ne pas être constipé. Et puis, en plus de ça, on donne des médicaments. On donne des médicaments... le principal médicament, c'est un médicament qu'on appelle des invénotoniques. Mm-hmm. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le ligament qui lâche un peu. Donc, on donne des médicaments pour tonifier un peu, tonifier ce ligament-là. D'accord. Pour faire en sorte que... On peut citer voilà. Les nourritures. Mais après, si c'est un stade avancé, les médicaments peuvent montrer leurs limites. Mm-hmm. Ouais. OK. Généralement, on n'opère pas les malades, à moins que ça ne soit vraiment un cas de complications extrêmes, ouais. où il y a un patient qui saigne, qui se vide. Ouais. Là, d'emblée, on va courir pour aller au bloc. Mais la plupart du temps, on commence par un traitement médical. Ça marche. Alors, docteur, je reviens juste sur les causes, parce que Monsieur Yobois a dit qu'il était constipé, il avait du mal à aller à la selle. Ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'il avait d'ailleurs le coco? Mais est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que la constipation cause le coco. Oui. Donc, qu'est-ce qui, en réalité, est-ce que ce n'est pas plutôt le coco qui crée la constipation et qui fait qu'on est malade ou bien l'inverse? Généralement, comme je l'ai dit, ce n'est pas des patients qui sont constipés occasionnellement. C'est ça. C'est des constipés chroniques. Mm-hmm. C'est des constipés chroniques. À force d'être constipé et de pousser, donc, il finit par avoir Jean-Baptiste, les hémorroïdes. Jean-Baptiste, tu étais constipé avant. Avant, tu as toujours été constipé dans ta vie? Non. Ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça. D'accord, très bien. On va essayer de continuer ton histoire. D'accord. Oui, Yasmina, dis-nous. On parlait d'aliments. Qu'est-ce que tu mangeais? Bon, au début... Qu'est-ce que tu aimes bien manger d'abord? Qu'est-ce que tu aimais bien manger? Qu'est-ce que tu aimais bien manger? Ce que moi j'aime manger, c'est le foutou avec sauce aubergine. Ah, d'accord. Hey, sauce aubergine. Voilà. Et quoi comme viande? Viande fumée? Et viande? Non, moi j'aime beaucoup les viandes de brousse. Gombo. On parle de gombo. Au début, je ne savais pas. Donc je mangeais le gombo.
Donc, gombo, mais donc, gombo, c'est censé glisser. Moi, je veux que le médecin réponde à ça, parce que c'est vrai que les personnes qui souffrent de maladies hémorroïdaires vont souvent accuser le gombo. Est-ce que c'est vérifié? Gombo, ça glisse. Scientifiquement, non. Scientifiquement, non. Vous allez voir que généralement, les patients qui ont des hémorroïdes, parfois, au niveau de la tradithérapie, on leur donne tellement de totems. Tout ce qui est rouge, le gombo, etc. Généralement, la viande rouge. La viande rouge, etc., etc. En tout cas, tout ce qui est rouge est accusé de donner les hémorroïdes. Mais non, non. Alors, les études n'ont pas prouvé. Voilà. Non, parce que les études n'ont pas ne l'ont pas prouvé. Mais par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est que chacun a un organisme qui est un peu particulier. C'est clair. Il y a certaines substances, telles que là, c'est scientifiquement prouvé, tels que le thé, le café, pris à forte dose, peuvent être des facteurs qui favorisent la survenue des hémorroïdes. Le thé et le café. Il y a des gens qui abusent dans tout. Et puis, les repas trop épicés aussi. Oui, ça, on le dit. Trop épicé, trop d'épices. Peu, pas chez tout le monde. Ouais. Trop d'épices peut donner une crise d'hémorroïdes. Beaucoup d'Africains et d'Indiens peut-être vont avoir des cocos parce que nous on peut donner une crise d'hémorroïdes. Ouais. Trop d'achéqué aussi. Oui, l'achéqué, c'est la constipation. C'est tellement, il y a pas un Ivoirien qui va dire qu'il n'aime pas l'achéqué. C'est ça. Ouais. Après, l'achéqué accompagné de la sauce de temps en temps, c'est pas mauvais parce que regardez, il y a pas un aliment qui est plus déshydraté que l'achéqué. C'est ça, n'aime pas mouiller, ça fait grossir. Il y a pas pour faire le processus de fabrication de l'achéqué, vous voyez comment on retire toute l'eau. Je vous ai dit tantôt qu'on recevait beaucoup d'étudiants. Généralement, les étudiants qui sont sur les campus. Ah, ça a tiqué des... Parce que généralement, ils mangent beaucoup garba. Mais dans le processus médical de Jean-Baptiste, ce joli monsieur, très beau. Hein. Merci. Qu'est-ce que vous auriez pu rajouter avec le traitement médical en termes de régime alimentaire, peut-être, qu'il n'a pas reçu qu'il a reçu, mais peut-être qu'il n'a pas forcément marché parce qu'il était un peu avancé dans la maladie. Non seulement, en plus des médicaments, c'est d'inclure dans l'alimentation générale les fruits et légumes. D'accord. Fruits et légumes, beaucoup de fruits. Dans l'alimentation générale, c'est pas manger ça juste de façon occasionnelle en passant.